Il y a des choses à faire cuire, mais d'abord on va dire bonjour aux gens. Ou bonsoir, bonsoir, je ne suis pas Bob Lennon, vous êtes quoi de chaîne? C'est Choc Fury sur Once Human, on y retourne, toujours habillé tout en rouge, toujours cette tenue furieusement sexy. On va essayer, avant de repartir, de se faire un peu de matos en plus, genre voir ce qu'on peut réparer, améliorer. Et on va retourner, on va essayer de choper Monsieur Wish. Donc il faudrait quand même que j'ai un petit... une petite... fusil d'assaut, parce que le PM il est bien court de portée, mais alors distance c'est pas ça qu'est ça. Mais d'abord je voulais voir un truc sur ma chaîne YouTube, donc on va aller jeter un oeil rapidement. On a quand même beaucoup des pandas furieux, donc on va peut-être rester sur cette idée. Toi tu te tais. Communauté, que dit la communauté Choc Fury? Donc on a les furieux du choc, les pandas furieux. Ah, on a 3 votes, on a 3 votes, donc on a un... Merde, je me rappelle plus ce qu'elle avait dit. Ah. Les pandas furieux, les furieux du choc. Gna. Gna, 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 les pandas furieux, j'aime bien. Bon, on va encore se laisser 2, 3, 2... On va encore se laisser un jour. Hein. On verra bien. Dès que je retrouve le dernier vote qu'on m'a donné, il faut que j'aille refouiller dans des archives de conversation. On fera ça. J'aurais peut-être dû y penser aujourd'hui. Alors, boif, manger. Boif, manger. Je ne vais peut-être pas avoir de l'huile directe, ça peut un peu piquer. Et puis, voilà. Voilà. Là-dessus, ça va. J'ai une... Bon, on va l'utiliser, hein. Pas de raison. Oui, ici, j'ai des choses à démonter. Alors, après la vidéo de tout à l'heure, j'ai réussi à replacer la maison comme je voulais. Et en fait, au-delà de comme je voulais, j'ai vraiment réussi à la placer à la perfection. Je vais utiliser ce mot, oui. La perfection. Je vous montre ça tout de suite. Voilà. Regardez ça si c'est pas beau. On dirait que ça faisait partie du décor. Bon, par contre, pour la moto, j'avoue, ça fait un peu con. Mais tant pis. D'ailleurs, maintenant, je suis en train de me dire que je n'ai plus de voisins trop près. Je peux peut-être arriver à augmenter la... Il est là. Bon, il... si tu veux. Alors. Mais je l'ai. Bon. C'est pas grave. On va faire comme si. Hein, c'est pas grave. Voilà. Qu'est-ce que je voulais faire? Alors, le matériel. On va déjà voir pour les armes. Pour faire un fusil d'assaut. J'aimerais bien le faire en rang 2. Mais je pense que ça va pas être possible. Si. Ah oui, mais alors par contre, c'est le... Ah oui, c'est le truc là dégueulasse. Ah. Ah. La batteuse. Ah, oh, j'ai rien de mieux, quoi. C'est... Ah oui. Attendez. Je viens de me rappeler un truc qui peut avoir son importance. Regardez les schémas qu'on a. Parce que je me rappelle aussi que dans les schémas corps à corps, il y avait la dague. Ça, il faut que je la fasse. Elle est ultra puissante. Ah. Ça m'emmerde de ne pas avoir un fusil d'assaut de meilleure qualité que cela, quoi. Bon, bah écoutez. Et il faut ce qu'il faut. Et visiblement, je peux le faire en rang 2.
Ah là, j'ai une Kalachnikov, je suis content. Arme principale, oui. Calibré. Non, peut-être pas. Si, je calibre. Vaut mieux que je calibre un minimum maintenant. Voilà. On va pas calibrer plus que ça, c'est pas nécessaire. Le PM de secours. Et forcément, il me manque des cristaux de beryllium. La merde. Ah, bon, bah, confection de protection. Bon, ici, ça passe. 15% vitesse de récolte. Lorsque votre charge est pleine de dégâts subis, on s'en fout. C'est pas foufou. Plus 12% de réduction des dégâts au tort. Ça prévoit éliminer un ennemi avec une attaque de mêlée. Les dégâts de la prochaine attaque. Donc, ça, c'est mêlée. Ouais, d'accord. J'ai. Pas foufou. C'est pas foufou. Récolte. Dégâts de mêlée. Vitesse de déplacement. 146, 166. Dégâts de mêlée. Dégâts de mêlée lourds. Ah, ça m'arrange pas tout ça. Vitesse de récolte, charge. Dégâts de mêlée. Dégâts de mêlée. Je suis maudit. Récolte. Réduction des dégâts au. Écoutez, on va viser les dégâts de mêlée, puisque de toute façon, je n'ai pas d'option. En fait, la vision, la vitesse de récolte, on s'en fout, en fait. Hop. Et fuck. Fuck. Triple fuck. Bon bah tant pis, hein. Il me faut du beryllium. Bon, bah on va pouvoir équiper la tight, mais ça sera tout, quoi. Alors, mode, est-ce que j'ai récupéré des trucs intéressants? Bon, déjà on va enlever le. On va déséquiper l'autre mode. Oui, c'est un PV plus 4, donc tant qu'à faire. On va. D'accord. Un équipe, voilà. Et maintenant, on rajoute le petit boost de santé. Voilà. MPS, bah, il est équipé donc je vais le garder. Les autres, ça change pas grand chose. Accessoires, je suis pas sûr qu'on puisse lui mettre un. Ah si! Lol. Pour les autres, je suis pas sûr d'avoir ce qu'il faut. Ok. Il faut que je fasse des bastos en plus à ce truc. Pourquoi tu me dis que. Oui, c'est vrai que j'ai un fusil de sniper, mais. Ah, quand même, dégâts 255. Bon, munitions pour fusil d'assaut. Est-ce que j'en ai déjà sur moi? Parce que. En craft, c'est bien, en avoir sur soi, c'est déjà pas mal. Munitions de fusil. Ouais, j'ai pas besoin d'énormément en fait. Fusil de précision, fusil mitrailleur, fusil de cuivre, fusil de chasse. Oui, c'est ça. 120, 240, 300. Voilà. J'ai des choses à cuisiner. Je ne vais pas me priver, hein. On va pas se priver. File d'attente pleine. C'est vrai que j'ai de la bouffe en stock. J'ai fait du sucre. J'ai dû me gourer quelque part dans une de mes recettes. Je devrais pas avoir. Ah ouais, carrément. Plat de steak. Oh.
gomme psychotrope. Bon. Et je peux faire aussi du maïs rôti. On va pas se priver. Et de la viande rôtie. Allez, soyons fous. Soyons fous, mais j'ai plus de place. J'ai le sucre. J'ai beaucoup de bouffe sur moi. Mais vaut mieux en avoir trop que trop peu. Et j'ai ce qu'il faut en flotte aussi, donc ça c'est bon. Par contre, toi, vu que t'es en fin de vie, on va te boire tout de suite. Pouille. Alors bah écoutez, on va laisser comme ça pour le moment. J'ai bien un jus de fruits ici. D'accord. C'est pas trop ce à quoi je m'attendais, mais c'est pas grave. Voilà. Allez, on prend les bastos. Ah, je voulais faire aussi le... Ah oui, faut que je me le crafte, c'est vrai. Je me fais un truc pour que ça pèse moins lourd et je le porte même pas. Les munitions. Et il faut que je voie pour me faire la hachette. Il faut que j'augmente le tiers aussi. Il faut que je calibre tout ça, moi. Je suis con. Faut calibrer, petit homme. Faut calibrer. Ah bah, je vais pas calibrer longtemps. Il me faut du bronze. Nya. Ouais, bah on va lancer ça et puis on va aller s'occuper de nos affaires ailleurs. Ah. Voilà, on a ce qu'il faut, on ferme la porte, on regarde la petite maison, qu'elle est quand même très jolie, il faudra que je mette la moto de l'autre côté, ça fait très con comme ça. Mais bon, c'est pas... Bon, par contre, mon escalier qui déborde, bon, ça, j'y peux rien. Bien, donc de la bouffe ici, de toute façon, j'en ai des tonnes et des tonnes. Je pense qu'une fois que j'aurai fini le jeu en mode fin de machin, je pense que je reviendrai m'installer là parce que c'est riche, quoi. Bon, alors... Où est-ce que tu veux que j'aille maintenant le jeu? Année de survie. Ah oui, ça. On récupère. Construire la cuisine électrique, c'est une autre histoire. Je sais plus où il veut m'envoyer. Murmure dans la forêt. Activer les 4 ancrages de faille dans le broken. Ok. Séance photo. Carnaval de malheur. Vœux d'une fille. Ok, donc là c'est où on était tout à l'heure. Arôme secret, clairum. Bon. Voilà. Bon, en gros, va parler avec Claire. Et va parler avec Claire. Ok. Ça a le mérite d'être clair. 15 images ralenties? Oh, tu me fais chier le jeu. Mais bon, tant que ça lag pas, les 15 images ralenties, ça va. Il manque des morceaux de vous, les gens. Récupérez vos morceaux, s'il vous plaît. Vous êtes à la télé. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce que c'est que cette horreur? C'est un gars ou une fille? Ça marche toujours pas. Parlons avec Claire. Nous nous retrouvons enfin. Hey, elle a oublié mon nom, mais les sous-titres pas. Bon, vous avez déménagé au bazar de Meyer, à ce que je vois. Yeah, once I knew what happened to my team, I had no reason to stick around Deadsville anymore. The journey could have been worse, all things considered. Oula. Twitch est en train de péter une durite sur les images ralenties. C'est bizarre. Mais bon, c'est pas gênant. C'est pas gênant. And while business is still slow, I gotta say, it's a lot nicer to be here in Myers Market than in Dudsville. Je vous laisse lire. Je fais pas la relecture parce qu'on a déjà vécu ça sur les live bêta. Par contre, je sais pas ce qu'elle a bouffé, mais
Les yeux qui sont... Although the food here could really use some spicing up. For example, have you ever heard of something called sofrito? D'accord, c'est là qu'elle va nous envoyer... No, it's a base sauce for cooking. It used to be really popular in Latin America and the Mediterranean. Usually, you cut up a bunch of garlic, onion, peppers, tomato, and cook them all together. It's supposed to be super aromatic. Alors, j'ai vérifié, je ne peux pas changer la taille des sous-titres. Hein. C'est triste, mais voilà. Ooh, or what about feijoada? I've only heard of it, but it's supposed to be this rich bean stew with beef or pork, and when you eat it... Chicken, au poulet. Les feijoadas, c'est tellement bon. Ah, elle me donne envie alors que je viens de finir de manger. Even if you did, I don't know how to cook something like feijoada. But I do have an idea where we might be able to find some good recipes. There's an old house near Sunshine Farms to the west. The locals say an old man who was a master cook used to live there. He and his family were killed by deviants over a decade ago, but I can't help but wonder if he left any recipes behind. Obviously, I'd hate for those recipes to be lost forever, so if you can find any, then rest assured that I'll pay you well for them. Des recettes. Non, c'est bon, c'est tout. Hey. Ah, so glad you brought this up. I just have another job for you. Elle bouge plus la bouche. Believe me, I could tell you plenty about Rosetta. But how about you do me a favor first, huh? Your former comrades and the Mayflies may have left something behind that I could use. I've got a client interested in Mayfly artifacts. One item in particular, but I'll take whatever you can find. There's always a market for that kind of thing. Je suis désolé de le dire comme ça, mais Lily Forsetti, elle est vraiment très très mignonne. There's an industrial area near here, infested with deviants. The Mayflies were holed up there just before they launched their raid. I'm hoping they left behind some artifacts, maybe even the one my client is looking for. You bring me back whatever Mayfly artifacts you find, and I'll tell you what I can about Rosetta. Good luck out there. Alors, je rappelle que c'est un MMO purement gratuit. On est sur un MMO gratuit, les gens. Donc des lèvres qui bougent pas sur une conversation, alors que vous voyez les effets de lumière derrière qui sont fous, mais on s'en bat les steaks, quoi. Bien. C'est bon, j'ai... Ah oui, il y a l'eau qui est là-haut. Et c'est vrai que j'ai aussi une antenne à activer ici. Mais il y a deux quêtes encore là-haut. Ah! Bon, déjà ici. Voir les quêtes. Ok, ça c'est bon. Vous avez besoin d'un coup de... Vous avez besoin d'un coup de main? Tiens, je me rappelais pas qu'il y avait une quête. Qui... Vous êtes Lily Forsetti, le membre des Mayfly qui nous aide tout le temps au bazar de meilleur. Oui, c'est moi, je viens juste d'arriver, je vous aide tout le temps. Ah oui, c'est moi, vous avez encore des problèmes? Maxine nous a parlé de vous, elle nous a vanté vos talents et dit que vous aiderez vos amis. Alors, si on devenait amis et que vous me donniez un coup de main... Regardez, c'est l'usine de produits chimiques de Sutherland. Elle produit essentiellement des engrais qui valent une fortune aujourd'hui et ses outils de production ont l'air intacts. Voilà pourquoi je compte relancer la production et envoyer de l'engrais au bazar de meilleur. L'idée de combattre un déviant nous terrifie. Si on pouvait avoir avec nous quelqu'un d'aussi pro en combat que vous, ça nous soulagerait. Votre spécialiste du combat est là. Je savais bien que ça ne serait pas un problème pour vous. Ne vous en faites pas, on paiera les batteries de liens d'énergie et on a même des munitions pour vous. On veut juste que tout le monde se reste en sécurité. Ok, quand sera bon pour vous, revenez me voir et nous nous en occuperons ensemble. C'est une mission d'escorte? Ah, on va déjà prendre toutes les autres histoire de... Mais il y en a combien des quêtes? Ah, bon, activez l'antenne avant que j'oublie. Voilà, ça c'est fait. Ah, qu'est-ce qu'il a à vendre, lui? Ah non, c'est là-bas. Qu'est-ce qu'il vend? Qu'est-ce qu'il vend? Qu'est-ce qu'il a à vendre? Oh!
Non, c'est... Ah oui, non, mais ça me coûte de l'énergie. Ah, chiotte. Ça, par contre, on va... J'ai pas vraiment d'armes qui nécessitent de viser, là, pour le coup. On va prendre celui-là. Le reste, on n'en a pas besoin pour l'instant. On va économiser un peu l'énergie. Je ne l'ai pas équipé en mode. Maintenant, c'est fait. Pouille, 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 pouille. Ah bah voilà. Et ça fait quoi? J'ai même pas vu, en fait. J'ai pas vu ce que ça fait. Ah! Ah, alors on a peut-être un truc à faire là. Attendez, j'ai pas regardé, j'ai pas vu. Ah oui, c'est très intéressant sur celui-là en fait. Et du coup ici, j'ai plus d'accessoires à lui mettre quoi. Si? Je peux le mettre sur les deux? Wait, what? Ok, d'accord, bah, je peux le mettre sur les deux, très bien. C'est... Ok. Oh, ok. J'en ai un, j'en ai deux, voilà. Tout va très bien. Par contre là, ouais, le machin, c'est marrant que j'ai pu faire ça, tiens. Bon. Pas grave. Avant de voir Maxi, je vais voir les petits commerçants parce que je ne sais plus ce qu'ils ont à vendre. Ils ont peut-être des trucs intéressants quand même. Style urbain, oui, bah ça... Ouais, le temps qu'on y arrive. De toute façon, j'ai rien dans monnaie de ce qu'il y a là. Donc voilà, ça règle le problème. Rein se vend. Bossu, je suppose que c'est un jeu de mots à la con. Alors, j'en ai 96. On a un viseur complexe réflexe. Suppresseur substyle. Vitesse de visée, réglage du room, stabilité, précision, mobilité. Eh ben écoutez, on va... Attends, parce que je viens de voir qu'il y avait les violets en dessous. Non, on va prendre ça, je vois pas de... Je vois... Ah si, poignée. Précision plus 17, mobilité plus 7. Bon, il n'y a même pas de doute, quoi. Allez, on espère qu'on va pouvoir la mettre sur les deux comme l'autre. Ce qui serait ridicule. Ah merde, j'ai pris une poignée, mais... Bon bah vas-y, bon. J'ai pris une poignée au lieu de prendre un chargeur. Je suis trop con. Donc on perd encore en précision. Ah oui, bah oui, on perd en précision parce que j'ai... On va la jouer à la stabilité, puis en plus ce sera un peu plus logique d'avoir un truc différent parce que. Par contre, ouais. Chargeur, est-ce qu'il y a des chargeurs? Non, de toute façon j'ai plus de sous. Ah, j'ai plus de sous! Et voilà où est-ce qu'on achète les appareils de contrôle pour refaire des donjons. Ok. Alors, Maxi. Et vous avez. Ouais. Connaissez les vautours? C'est un groupe de maraudeurs à la sauvagerie sans bornes. Ils tuent, volent, incendient. Ils recrutent à tour de bras et répandent leur doctrine. Qui veut voir le monde réduit en cendres? Il n'y a pas longtemps, ils ont commencé à émettre ces, je ne sais pas comment appeler ça, des appels de recrutement, des sermons. Je fais confiance aux habitants, mais allez savoir s'ils n'ont pas été ensorcelés aussi. Essayez de trouver leur véhicule à transmetteur et détruisez-les. Ils devraient être cachés quelque part au sud. Essayez les récifs au bord de la mer. Des explosifs et des détonateurs. Éloignez-vous quand ils sont sur le point d'exploser. Quand vous reviendrez, je vous donnerai une belle récompense. Celle-là, on l'avait pas. Celle-là, elle est nouvelle. En allant à Highbanks, j'ai vu quelque chose de bizarre. Un hôtel composé de détritus et ses prières écrites désespérées, signées d'une certaine Brianna. Donc, c'était pas Agnès, c'était Brianna. Je vous l'ai déjà dit, c'est la première femme à avoir été infectée. D'accord, mais elle est devenue différente du reste. Oui, bon, alors celui-là, on les a déjà vus. Je vous laisse lire. Être suprême.
Ça manque de musique. Ce qui est dommage, c'est que notre personnage, il y a des moments où vous l'entendez parler. Donc ça veut dire que ces lignes de texte sont enregistrées quelque part, ou qu'ils ont commencé. Et je sais pas si c'est pas terminé ou quoi, je sais pas. Oh, tu m'étonnes. Je commencerai à lire quand on reviendra à Tal Grassin. Parce que Tal Grassin, j'aime beaucoup les dialogues qui sont là-bas. Et je l'ai fait qu'une fois, du coup. Par contre, ici, oui, les dialogues, en dehors des dialogues que j'ai pas vus. Je me rappelais pas de ça. Des stimulants qui ciblent le système nerveux central. Les membres du culte de la création aiment bien en abuser avant certains rituels, paraît-il. Brianna n'a même pas essayé de se défendre lors du procès, mais qu'a-t-elle pu faire d'autre avec ce truc de toute manière? Ah, il y a des infos en plus, hein. Des infos en plus. Maxi, du coup, c'est bon, j'ai plus rien. Non, c'est bon. Donc maintenant, là-haut. Je crois que lui, dans la dernière version du PTB, cette quête, si on l'a fait. Le seigneur du brouillard. Yes, the place is not much to look at and is polluted with stardust. But where better to find a hidden treasure? Oui, l'endroit n'est pas très avenant et la contamination au protoplasme y est élevée. Mais c'est un lieu tout indiqué pour trouver un trésor caché, non? From what people say, there are strange occurrences in the area. The work of a deviation. Nobody has been able to get a good look at it, though. D'après ce que racontent les gens, d'étranges phénomènes se produisent dans la région, sans doute l'œuvre d'une anomalie. En revanche, personne n'a été en mesure de la voir. Comme c'est mystérieux, c'est étrange. The entire mud flats are shrouded in thick fog, but there are reports of a strange sound emanating from the impenetrable wall of mist. Some believe a monster lies within. La vasière est recouverte d'un épais brouillard, mais des témoignages font état de bruits étranges provenant de la brume impénétrable. Certains pensent qu'il y a un monstre à l'intérieur. Unfortunately, that's all I can tell you. Finding the real truth is up to you now. I have plenty of confidence in you. Just be careful. C'est tout ce que je peux vous dire, Lily Forsetti. Le reste, c'est à vous de le découvrir. J'ai toujours eu confiance en vous, mais faites très attention cette fois. Le seigneur du brouillard. Le seigneur du brouillard, le chef Osorius Rex. I admit it does sound strange, but that is all the more reason to investigate. J'admets que cela peut sembler étrange, mais c'est une raison de plus pour se pencher sur la question. In Sunbury, to the west of here, people have apparently seen flames erupting inside a fast food restaurant. Within the flames, it is said, the shadow of a dragon appears. I am convinced the deviation is at work. À Sunbury, à l'ouest d'ici, des gens auraient vu des flammes s'élever de l'intérieur d'un fast-food, et dans ces flammes, ils disent avoir vu l'ombre d'un dragon. Je suis convaincu que nous avons affaire à une anomalie. J'espère ne pas être confronté à la colère du dragon. I don't have any more information than that, but that seems like more than enough to go on. My guess is there is no serious danger. As long as you are careful, you should not have any problems staying alive. Je n'ai pas plus d'informations, mais cela semble déjà suffisant pour y aller. Je pense que ce n'est pas dangereux. Tant que vous êtes sur vos gardes, vous devriez rester en vie. As for where exactly you will find it, I am not sure of its culinary preferences. You'll have to look around. Quant à l'endroit où elle se trouve, je ne connais pas ses préférences culinaires. Ce sera à vous de la chercher. Et comment la confiner ? Excellent question. Perhaps it is waiting to be fed or to feast. So maybe make sure to bring something to feed it in case you want to make a quick escape. Très bonne question. Elle attend peut-être quelqu'un pour la nourrir ou quelqu'un à dévorer. Apportez donc de la nourriture. Ok, vous auriez besoin de faire diversion pour vous enfuir. Ok, bon, on va déjà aller faire le seigneur de l'ombre. Je vais viser d'abord les
Ah d'accord, c'est tout dans le même coin. Il y a des choses dans tous les coins. Bon, on va faire ça dans l'ordre. Ah putain, il y a un autre truc là-haut, bienvenue. Donc ça, ce sera pour plus tard. Je pense qu'on va faire un petit tour en rond. On va déjà aller faire celle-ci. Déjà faire celle-ci, puis on ira à celle-là, puis on ira à celle-là, et on ira à celle-là. Donc, je ferai peut-être un détour pour aller à la tour et activer... Oh putain. Ah, ça me fait un gros détour. Ah, allez, c'est parti. Par contre, Maxi, elle voulait pas que je fasse un truc... sans photo, radio culte, carnaval de malheur, vœu d'une fille, arôme secret, il y a un dragon ici, en pleine folie, lueur solitaire. Question d'or de métal. Il n'y avait pas une histoire des... de choses dans un bureau, dans le... Ah non, c'est le... C'est le même dialogue. C'est le même dialogue. Bon bah écoutez, on va faire toutes les quêtes et puis on verra bien. Hein. Allez. Pouille, pouille, pouille. Et puis en plus, c'est vraiment à côté là. J'essaie de trouver de la viande sur la route. D'ailleurs, vous savez quoi, je vais prendre... Ici, il y a de la bouffe partout. Je vais déjà faire un petit peu de récolte. Parce que j'ai des trucs cuits, mais j'ai pas des trucs crus. Et vu que c'est un dragon, c'est pas dit qu'il aime les trucs cuits. Je vais peut-être prendre du poisson. Je vais peut-être prendre un poisson ou deux. Par... prudence. Alors, attends, t'es en train de me dire que voilà. Bon, 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 bon. Allez, on va prendre une poisson, les outils, la canne à pêche, 5. Changer la pas parce que j'en ai qu'un seul type de toute façon. Donc j'accroche un bison volant sur ma canne à pêche. Ceux qui auront la référence... Vous êtes bien. Je vous aime bien. Ah, de la viande là-bas. Cette biche bug. Oh merde. Bon, de toute façon, elle est de l'autre côté. Alors ce qui est très con... j'aime bien le fait de tourner la souris dans le sens où tu... Voilà. Mais ce qui est très con, c'est que tu ne vois plus ce que tu fais, en fait. C'est que tu... Voilà. C'est un peu dommage. Mais bon. L'interface fait que c'est pas gênant outre mesure. De l'autre côté, de l'autre, de l'autre côté, de l'autre côté. Carpe à grosse tête. La carpe Philippe Boulevard. Bon, j'imagine qu'il n'y a pas besoin de beaucoup plus. Ah, on peut se déplacer maintenant quand on a la canne. Ah, ça c'est bien ça. Mais j'aimerais que tu l'arranges en fait là maintenant, merci. Hop, et on remet les cocktails Molotov à la place. Voilà, 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 on a de la bouffe. Je voulais choper un steak parce que... Mais le steak s'est barré. Bon, c'est pas grave, on en trouvera d'autres. Ah, t'es déjà à la pierre, toi. Ah, mon salaud. Là où il y a des... D'autres... Là. Non,
non, ça c'est juste une plante. Ça c'est juste une voiture. Avec un... Et l'accident a dû être violent quand même. Ok, ce sont des choses qui arrivent, j'imagine. Ah oui, alors par contre, lui, il a mis son sa baraque à un endroit où normalement il y a plein de... Non, c'est bon, c'est là. Ah, il y a une air conditionnée, tiens. Comment tuer un dragon? Tu lui jettes du pop-corn dans la gueule. Il explose. J'ai pas de poisson grillé, ça. C'est vrai que j'ai de la viande grillée. Bon, on verra bien. On verra bien. Ça se trouve, c'est un dragon végétarien. Pili. 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 Tu. Elle est rebelle. Vous allez dire que j'abuse, mais. Et celle-là, non. Allez, c'est parti. On the road again, again, again. Pyroslosie. Bon, ici, on connaît, hein. Ok. Bon bah ça va être rapide. Another once thriving town reduced to ruins by starvation. Sad to think how many. Mais il meurt. Hope we can recover what I was looking for. If only to. D'accord, il est bugué. Kind of legacy for this. Oh là. Waouh, c'était quoi ce bug surréaliste de folie? Bon. On va pas oublier. On va aller voir à l'étage. Oui, je sais qu'il y a un truc là-haut. Hop. Ah. Zoom lazim, zoom zoom. Bonjour. Au revoir. Ma machette est tellement puissante que je n'ai même pas besoin de m'en servir. Merde, je croyais que c'était ici. C'était ici qu'il était le... Ils l'ont déplacé les fifoufaleux, les vignes funfunus. Ah, ils l'ont déplacé. Va falloir que je le trouve à nouveau. Oh, il y a des cristaux là-haut. Bon. Bon, 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 bon. Bah, allons là-bas, hein, c'est tout. Par contre, non, je vais aller m'occuper des cristaux là-haut, parce que je sais que c'est rare, je sais plus du tout à quoi ça sert. Putain, mais il y en a partout. Peut-être pas le niveau pour ramasser, je suis en train de me dire. Minerai d'étain. Qu'est-ce que c'est que ça? Minerai de prototrace TBD. Ok, bon bah voilà, je peux pas. Ça c'est fait, c'est vu, c'est parti. Dégage. Ah, il est mort. Dégage. Ça, j'en veux pas. Bonjour. Au revoir. Oh, le finish est toujours jouissif avec cette arme. Alors, qu'est-ce que tu me dis, toi? J'ai ramassé ce qu'il y avait dans le coffre en montant à l'échelle là-dedans. C'est marrant ces maisons qui n'ont pas d'escalier, je suis en train de me dire.
Tout ça pour ça. Bon bah. Franck était d'abord. Ah, les notes. These must be the recipes Claire was looking for. Looks like a pretty solid collection of them, too. These should be more than enough for her. Let's head back to Myers Market and give them to Claire. Je crois qu'on n'a pas fini ici. I'm scared. Stay close to me and your brother, Miha. Hold on to Mama. D'accord. C'est normal qu'il m'indique une quête et que, en fait, pas tant que ça. Stay close to me and your brother, Miha. Hold on to Mama. D'accord. Peut-être qu'il y a autre chose à l'étage ? Ça semble bizarre que ça s'arrête comme ça. Non, bah écoutez, ça s'arrête comme ça. Donc en fait, il n'y a plus besoin d'aller choper le mec et son fusil, c'est juste les notes, quoi. Bon, bah écoutez... ok. Un peu triste, mais... pourquoi pas. Je sais pas pourquoi je mine. Ça m'a pris comme ça. Une envie de miner. Ça ne se comprend pas. Par contre, il y a des... bonne petite potirone là. On va se faire une bonne petite soupette. J'ai vu un truc. Ah. Oh mais sérieux. C'est pas l'échelle ça. Hein. Je kiffe la machette. Je kiffe la machette. Alors attends, j'étais là-bas, donc c'est au fond, à droite, qu'il y a un truc. Bah si, c'est l'échelle, en fait. Oh, fuck. Tant pis. Oh, mais il y a même du maïs. J'avais même pas fait gaffe, tiens. Allez, à moi le maïs. Ah non, à pas moi le maïs. Mais sérieux, y a rien d'autre ici à faire? C'est dommage, la zone a été totalement désévaluée, du coup. Non, alors par contre, Bépette, voilà, merci. Allez. Hé ! Qu'est-ce qu'elle m'a vu ? Ok, bon bah ça va, la calage c'est mieux que ce que je pensais. Si je te dérange, hein, tu me dis. Bon bah fouillons. Ouais, je savais bien qu'il y aurait au moins un coffre. Crystal de beryllium, de toute façon il m'en faut des tonnes, il y en a plein dans le coin. Ok. Bah là il n'y en a pas. J'ai trouvé une agoiffeuse. Ah oui, c'est devenu tout petit ici. Ah non. Pardon. Ok, ça n'a pas duré longtemps. Ok. C'était rapide, efficace, et s'il saignait, ça aurait été sale.
Montons, 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 montons. Bon, pas de béryl ici. Donc maintenant, bah maintenant là-haut. Allons-y, allons-o, et Geronimo. Bon. Ici, c'est pas qu'on en a beaucoup à faire, mais c'est qu'on a des choses à faire. J'ai mon petit... Mais... Oh, c'est tellement sale. J'ai mon petit couffin qui est en train de péter une durite. Alors attends, où est-ce que c'est? Par là? Non, là ça s'éteint, donc c'est par là-bas. This is where the Mayflies assembled and prepared for their assault on Rosetta. C'était pas ce que je pensais. Bon, par contre, là, on va nettoyer le monde, hein, parce qu'ils sont un peu nombreux quand même. C'est vraiment par là-bas. Et celui-là, il est bien planqué, hein. Est-ce qu'il serait en hauteur ? La caméra, oui, suit la caméra. D'accord. Pam 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 pam. N'importe comment ce truc. D'accord, par là il s'énerve. Là, je l'ai vu, je l'ai trouvé, c'est bon, on va aller lui péter la tronche. Faut juste que je trouve comment rentrer là-dedans en fait. Hey, et on a la tenue de samouraï. Non, c'est pas ça, c'est Y. Ah. Y ? Ah ouais ! Je veux ma récompense ! JCE. Objectif saisonnier. Défi. Récupérer samouraï ! Alors, j'espère que c'est une tenue et que c'est pas juste un truc de samouraï qu'on met dans la maison. Wait, c'est un samouraï. C'est une... Ok. C'est une déviation. J'ai jamais essayé de les prendre encore ces trucs-là. Ok, c'était rapide. Moi le pognon.
Bah ça c'est bien, c'est fait. Donc maintenant, vaincre les ennemis d'élite. Bon bah, il faut trouver un ennemi d'élite. Et puis vu qu'il y a des Gugus qui se baladent là, on va peut-être... Non, bon, ils partent. Ok, d'accord, c'est pas grave. J'ai récupéré un paillasson. Je suis content. Attendez, parce que de souvenir, ils vous ont mis... Ils nous ont mis des trucs... Oui, je sais, c'est plus nécessaire, mais j'aime. J'aime quand même. Ah ! Ta bouche ! Ta bouche ! J'ai pas l'impression qu'il y ait de coffre, en fait, dans le coin. Donc on va continuer. Centrale électrique, un beau pick-up qu'on pourrait prendre pour se barrer, mais non. Hein. Ah, sérieux. On t'apprendra. Mais non, mais ça, j'en veux pas de ton truc. Quoique, il y a du monde alentour. Non, il n'y a personne. Alors, bien repérer, essayer de bien repérer les coffres. Et les gros coffres. Bon, c'est pas ce que je voulais, mais c'est bien aussi. De toute façon, il nous faut du beryllium, donc... le plastique aussi, c'est bien. Ça permettra d'améliorer les pneus. Et il faut pas que j'oublie que j'ai une voiture à construire aussi. Même si, niveau 1, la voiture, elle est vraiment pas folle, quoi. Ah. Allez, ouvre. Ah, ça... Saleté, de saloperie de saleté. Bah la quête. The Mayflies have left clues for us. Let's follow their trail and see where it leads. Ah oui d'accord, c'est plus des trucs peints sur les murs, c'est carrément des. D'accord. Next. Là-bas. D'accord. Je pense que les peintures sur les murs étaient trop peu visibles. Là. This must be where they gathered. Let's go inside and take a look. Aïe. Révélio. Révèle rien. Allez. Caisse d'armes, c'est toujours le bonheur. Du beryllium, j'ai pris celle de beryl. C'est bien. C'est pas fou, mais c'est bien. Certainly understood the risks, and no doubt he made his sister proud. So many lives lost, men and women willing to sacrifice themselves for the greater good. It doesn't make it any easier, though. Okay, ça c'est fait. J'avais pas une autre quête à faire ici, mais c'est pas ce que je voulais faire. Ça, c'est bien aussi. En dehors de nettoyer la zone. Ah mais si, je sais qu'ils vont nous y renvoyer de toute façon. Ils vont nous y renvoyer. Il y avait la quête de l'autre bonne... Oh là ! De toute façon, ils vont nous y renvoyer forcément. Oh, du loot.
Une petite boisson. C'est vrai que je pense pas trop à regarder la bouffe et la... Drôle de bruit, ça. Alors, toi, par contre, tu vas prendre pour les autres. Bam ! Alors, bon, bah, la caisse mystique, les ennemis non élites, les ennemis élites et le bazar. Caisse bleue là-haut. Voilà. Il y a des bruits chelous dans le coin. Hein. L'impression qu'il y a quelqu'un qui utilise un lance-roquette. Rien que ça. Bon bah là, est-ce que je peux pas ressortir ? Ah. Quelqu'un a décidé de me suivre. Alors un coup une fois qu'on a éliminé celui-là. Ah, c'est pas le... Y a pas d'exécution rapide sur lui. Là, c'est le moment de boire un coup, le 8. Voilà, on est bien. On va laisser ça comme ça pour le moment. Mètres. J'avais lu 48 et je me disais c'est très bizarre. Je veux aller là-bas. Ah d'accord, c'est ça le ricochet, d'accord. Oh le bâtard! Bougre de fifrelin de mes deux qui est arrivé dans mon dos. Tout discrètement possible. Oh, j'avais 666 munitions. Bon. Une caisse. Du peuple. Alors, je me dis que... Enfin, ils sont jamais assez prêts pour qu'on utilise les... Oh. Parfait. C'était visiblement pas un élite. Ça aurait été trop pratique, mais bon, c'est pas grave. Allez, grimpe-t-on, grimpe-t-on. On aime gratouille. D'accord, et on peut même pas, on peut même plus y rentrer, d'accord. C'est... Bon, de toute façon, le passage est là. Allez. Eh ben non, passe pas. Tiens, on a l'air de pouvoir monter là-haut maintenant. C'est jaune fluo. Ah non, c'est juste la verdure. Bon, l'ascenseur descend. Pour le moment, tout se passe très bien. Il me manque la caisse mystique, l'ennemi élite, et on est bon. Et on reviendra forcément avec la quête de monsieur. J'ai besoin d'amis. J'ai besoin d'un curly. Le fusil d'assaut, je suis très content d'avoir craft. Malgré le soucis que c'est une Kalachnikov et que
Dans ma tête, c'est le truc le moins précis possible. Il a l'air plus précis que le Scar. Voilà. Alors déjà, tac. Ok. Merde tout. Un nouvel arc. Alors par contre, déjà, retourne dans le machin, toi. Nouvel arc. J'arrête d'utiliser l'arc, le jeu me redonne un arc. Dégâts 227. C'est l'arc recourbé. Dommage 227, j'ai l'impression qu'il fait... Je vais passer mon autre arc. J'essaie de me gruger, là. Il est durabilité que dalle, donc... Schéma ? C'est un schéma d'arc ? Oh putain, j'ai un schéma d'arc ! Hop, putain, j'ai un schéma d'arc. Oui, bah, laisse-moi le... Allez, comme ça. Oh, putain. Oh, putain de fond de fou. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. D'ailleurs, j'ai des modes. Donc, ça veut dire que j'ai peut-être un mode bleu ou gris ou... Ah ! Allez, c'est que pour de la mêlée, ça. Les modes, d'accord. Ah, c'est pas grave. Je voulais tenter de... On va monter là-haut, j'ai la curiosité. Ah non, c'est le bouton. Écoutez, une caisse d'armes, c'est très bien. Ça valait le coup. Putain, oui, que ça valait le coup! Oh putain! Ah, j'ai pas tout. C'est juste une partie du schéma. Oh là là, le brise-glace. Aïe 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 aïe. Ou comment niquer facilement les ennemis en les gelant et en tirant dessus encore plus, ce qui les gèle encore plus. Oh bordel. Bon, bah. Je voulais aller voir. Évidemment, le truc que je voulais aller voir est de l'autre côté. Là. Bon bah, tentons. Raté. Oh, l'arnaque, c'est des escaliers qu'on peut pas monter. J'ai pas l'impression qu'il y ait grand... S'il y a une caisse jaune, bon bah... Allons-y, allons-y. Mets ta bouche, toi. Et mat mon Luc. C'est qu'une caisse de rangement, mais elle est gratuite, donc... voilà, bon, il n'y a pas grand-chose dedans de fou, mais... La vue est belle. Hop là, petite prise d'écran. Maintenant, faut que j'aille où? Ici. Donc, tout droit. Ouais, c'est une bonne idée. Je suis assez impatient de voir ce que fait cette déviation. Il me dit d'aller de l'autre côté. Bon, tu te décides. Merci. Je ne suis pas encore intéressé à ce que c'est ces structures avec les mains. Donc si quelqu'un peut me donner l'information,
que je sache si je rate quelque chose de vachement important ou si c'est juste du PVP. Moi, ça ressemble à un truc PVP, j'avoue. Yeah. Joue le chien. Oh, le chien. Oh. Elle est partie. On a même pas fait une gratouille. Allez, let's go. Je peux pas. D'accord. On est dans une zone. Ok, d'accord. 195 mètres, on y est. Objectif saisonnier, lors du défi du tréant, éliminer une liane enchevêtrée avec l'explosion incendiaire. Ah, effectivement, je ne l'ai pas vu. Elle me touche, même dans son dos, elle me touche, quoi. Sacrée saloperie. Voilà, maintenant un peu loot. Peut-être même falloir que je pense un peu me soigner, moi. Tac, tac, tac. Alors déjà, la petite gomme psychotrope. Et... Pouille. Qu'est-ce que je voulais? Oui, me soigner. Ah, ça va mieux. Il a les bras m'en tombent. Je sais pas pourquoi je suis descendu plus tôt de la bécane. Hein. C'était pas une nécessité. Ah oui, lui. Vas-y. Ah, c'est en instance. Ah, monsieur a changé. Ok, ça part mal. Monsieur est en immunité totale. What is that thing? I've never seen a deviant with such a big head before. Damn, this fog is thick. Make sure it doesn't spot you. We need to try and dispel this fog somehow. Maybe we can find a way by searching the buildings around here. D'accord, c'est de l'autre côté. J'aime bien, j'ai la musique de combat alors qu'il n'y a, pas de mob. Ah! À moi! À moi! Yay! Du brouillard apparaît enfin. Okay. Now that was a bit of a surprise. It's wild how the fog made it look 100 times larger than it actually was. Hopefully, Lo knows what use this deviation will be put to. Ok, ok, j'ai rien de plus à dire, c'est pas du tout la quête à laquelle je m'attendais, je pensais qu'il fallait qu'on bute un truc qui flotte là, visiblement le truc qui flotte là n'est plus là. Ok, bon bah écoutez, ici c'est fini.
Hop, l'objectif suivant, ici. L'objectif suivant qui ne s'est pas mis sur la carte. Bon. Oh, truc. Non, monte. On monte, et on se casse. C'était funky. J'avoue, c'était vraiment fun. C'était court, mais c'était fun. Oui, je suis une créature colossale et destructrice. Et en fait, c'est juste un petit bonhomme. C'était fun. J'ai bien aimé. Ah, on dirait que j'ai déjà fouillé ici. Oui, j'ai déjà fouillé ici. C'est pas grave. Le défi du tréant, par contre, ça va être chelou d'y retourner. Surtout si je dois y retourner tout seul. Bon, on va dire que j'ai déjà fouillé aussi. Les cailloux qui apparaissent à la dernière seconde me cassent les noisettes. Je dois aller où là? Oh bah c'est ça. L'autre phare. Imprimante. Ah, ça m'arrangerait d'en choper une en vrai. Ou quelqu'un qui peut réparer la mienne, par exemple. Il y a des choses que je ne sais pas faire. 108 images ralenties. Eh, tu casses les couilles, Twitch Studio. J'ai tellement la flemme de terminer de configurer OBS. Oh, le nombre de motos. Ça ne fait aucun sens. Alors, par contre, je ne sais plus comment je prends les photos. Caméra. Il me l'a pas compté. Il me l'a pas compté. Je m'y attendais un petit peu. Séance photo. Crocodile. Le phare. Ah bah si, c'est bon, il l'a compté. Autant pour moi. Bon bah... Bah, montons, hein. Il a. Il est grand ce phare. J'ai échoué. Malgré plusieurs couches d'étanchéité, mon bateau s'est détérioré. Il s'est fissuré dès qu'il est entré en contact avec le protoplasme. Juste avant qu'il ne se désintègre complètement, j'ai réussi à le ramener jusqu'à Nelcott. Je dois admettre que je n'ai pas réussi à explorer l'île de Wild Dog. Le temps presse et je dois partir cet hiver vers le nord où une autre mission m'attend. À vous, futurs explorateurs ou exploratrices, qui lirez ceci, je place mon espoir entre vos mains. Je suis la capitaine Denise Cooper, l'aventurière du syndicat. J'ai juré d'explorer ce monde recouvert de protoplasme et l'île de Wild Dog est depuis longtemps un obstacle pour moi. Si vous parvenez à rejoindre cette île, à y recueillir des informations et à les transmettre à un responsable du syndicat, je vous garantirai que la récompense sera... un jeune arrange. Alors déjà, je fais le tour parce qu'il me semble qu'il y a un petit truc derrière. Non. Non, il n'y a pas. Bon, bah... on va essayer de viser directement le bateau. Peu de chance qu'on y arrive, mais si on y arrive, on gagne du temps. Niveau endurance, c'est bon. Niveau hauteur, c'est bon.
Est-ce que je vais arriver juste devant ou est-ce que je vais pouvoir me poser dessus? Je vais pas arriver dessus. Et fuck! Donc faut que j'aille par là pour monter, pour ressauter dessus. Il n'y a pas d'autre voie, j'ai déjà essayé. Il n'y a pas d'échelle, il n'y a pas d'embarcation. À moins qu'il ait rajouté. Mais j'y crois pas trop. Par contre, ici, c'est une ville qui est. C'est une île qui est infestée par Rosetta. Donc, ça risque d'être un petit peu. Moyen costaud compliqué. Putain, faut vraiment que je fasse le tour complet. Soul. Ah, je suis en train de me dire que j'étais pas allé regarder ce qu'il y a sur ce bateau-là. Mais bon. Pas une nécessité non plus. Un truc qui flotte là-haut. Alors, de mémoire, c'était infesté par Rosetta. Et c'est une planche qui flotte. Ok. Très paisible en fait. Bon, je vais aller jeter un œil vu que c'est calme. C'est tout fermé. Je perds mon temps. Et le vôtre. Et même les textures ont décidé de ne pas venir. Ce bateau n'a pas de texture. Allô Houston, on a un problème. S'il y avait des ressources intéressantes sur cette île, ce serait presque un endroit intéressant où se poser, en fait. Ah ouais, il est vraiment efficace. Là, je me pose la question, pourquoi on chope pas de munitions sur eux quand on les bute? En vrai. Oula. Oula. Ouais, take cover. J'aurais dû viser le phare. Si je crée un autre personnage un jour, je saurais que pour mieux viser le phare. Faire du phare à phare. La 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 la. Ouais. Des fois que t'es pas compris, hein. Ils ont pété la rambarde. Ah oui. Bon. Je pense que si me souvenir que le bateau est quand même pas mal vide. Et même pas les commandes. Et ici on a de l'eau. Et il n'y a rien d'intéressant. Donc on se casse. Éviter de me refaire un trajet à la con, on va remonter tout en haut et s'utiliser pour rejoindre le phare à nouveau, quoi. Ça me paraît compromis. Ah, j'avais promis que ce serait con. Tant pis. Pourquoi je peux passer en dessous? Ça n'a aucun sens. Ah, puis j'aime bien mon truc à meilleure market avec toute la bouffe à côté.
J'ai juste à me pencher pour ramasser de la bouffe, c'est très bien. Bien, maintenant c'est le moment de monter là-haut. Et c'est le début des emmerdes. C'est pas ce que je veux, mais c'est bien aussi. C'est là-dedans qu'il y a beaucoup de bérigame, hein, de toute façon. Sauf maintenant. Quand il y a quelqu'un qui a déjà tout nettoyé, ok, c'est cool. Traînons pas, on va pas attendre que ça repop. J'ai cru que je pourrais ramasser l'espèce de poupée, mais non. Par où c'est-il qu'on monte? Par où c'est-il qu'on rentre? D'accord. C'est pas ce que je cherchais, mais c'est bien aussi. Yay! Non mais là, c'est bon, là! Ça fait 80? Oh oui! La batteuse de glace! Ça va être difficile de choisir entre l'arc et la batteuse de glace, je vous avoue. Ah, j'ai oublié ces histoires. Alors, le premier fait bouger les deux du fond. Le voilà, celui-là fait bouger que celui-là. Et celui-là... Oh, ça va! Oh, le cadenas de sécurité de fou. Ah, je vous laisse le temps de lire un petit peu, mettez la pause, et hop, on est reparti. Je trouve des échiquiers à des endroits, mais... Non, c'est bon, il est bien. Je trouve quoi encore? Ennemis d'élite, ennemis normaux, l'encre de faille. L'encre de faille. Arrête de bouger. Ah oui, d'accord. Là-bas, ok. Ok, c'est pas grave. Ce sont des choses qui arrivent. J'allais tenter de le buter, mais c'est un joueur. Oups. Je veux combien de... Ah ! Équipé. Vas-y, bon, j'ai encore trouvé. Ils m'ont juste donné. Ils m'en ont donné deux. Ils m'ont donné... J'ai pas les bastos. Ah, ah putain. Ah la vache. Oh, ça va être sale. Oh, ça va être sale. Ah, ils me donnent que des... Ah, bien. Merde, mauvais bouton. J'ai deux... Oui, si tu veux. Je voulais surtout l'équiper en fait, mais bon, c'est bien aussi. Voilà. Bon, bah j'ai deux batteuses de glace. Je pourrais limite équiper les deux, charger en bastos et passer de l'une à l'autre quand j'ai plus de munitions. Parce qu'elle est assez longue à recharger, mais là, elle rechargerait pas. C'est abusé. J'ai peut-être des balles de batteuse sur moi, je suis en train de me dire.
pistolet, fusil à pompe, fusil d'assaut, sniper. Non. Ah, le monsieur est en train de chercher comment on rentre. De souvenir, c'est par ici. Voilà. Et voilà, j'ai bougé, mais j'ai... tant pis. Bon, on va essayer de lui dire quand même au gars qui... You have to stick the two parts of the picture in front of the door. Ma petite BA du jour, ça, c'est fait. Et ici, c'est bon. Donc, les ennemis d'élite. Plus qu'à trouver des gens à buter, maintenant. Ça devrait pas être trop compliqué. Enfin, je dis ça... More or less, you see, you come here and you watch at the picture and stick the two part of it. It will open the door. Good luck. Oh, une petite boîte là-bas. Et il commence à faire nuit. Mais c'est le cycle jour-nuit s'enchaîne à une vitesse de folle, non? Ma BAFA, il est rentré. Je suis content de moi. Je suis un gentil YouTuber. Si ça se trouve, le mec était français, mais bon, avec le nom qui s'est affiché, j'ai préféré parler direct en anglais. Bon, bah, maintenant, je voudrais bien des ennemis à tuer, s'il vous plaît, le jeu. Ah. C'était pas l'idée du... Oui, alors là, l'IA est complètement aux fraises, hein. Et ben voilà, il y a du monde ici. Je t'ai embuté encore combien? Une dizaine, bon. Oh, c'est le pouvoir de la machette, quoi. Le pouvoir de la machette. Pourquoi ? Ah oui, c'est vrai, oui. Par contre, j'ai l'impression que le... Petit pointeur laser vert, c'est rigolo. Allez, on recharge. On recharge aussi. Oh, il y a des petites caisses bleues partout, regardez-moi ça comme c'est choupi. Je kiffe de plus en plus cette animation du sac qui s'ouvre. C'est-à-dire que tu fouilles un truc, bah... Bonjour Mistaken, moi c'est Lily. Enfin moi c'est Choc Fury. J'ai pu ramasser. T'es pas très bien caché comme ça.
Bah, plus qu'à attendre de trouver un boss. Ting 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 ting. Encore une boîte bleue. L'économie des bastos, ça ne sert à rien. Là, c'est un ennemi d'élite à vaincre. Non, c'est pas le moins important. Voilà. C'est mieux. Il me faut un ennemi d'élite. Il me faut un alette à lui pététer les rotules. Je crois que j'ai pas ramassé la caisse bleue qui était dans aussi. Si, c'est bon. Maintenant, ils m'entendent quand je chante. Oh, tu parles d'une arnaque. Trouver un ennemi d'élite. Trouver un ennemi déjà tout court, hein. Ah, c'est bien aussi. T'es pas un élite, tu ne m'intéresses pas. Merde, déjà venu ici. Donc on va aller voir ailleurs si j'y suis. Ah bah là-bas on a un petit élite. Je retente. Ah mais c'est magnifique. Oh putain. C'est tout ce que j'ai à dire. Prout. Voilà. Et puis un petit truc à manger. Et voilà. Et on est bon. J'ai pas besoin de courir vu que je veux les avoiner. Dans le baba, il a buté devant moi. J'ai même pas mis une bastos, quoi. Bon, bah on va devoir attendre un petit peu ou aller voir ailleurs. Je propose qu'on aille voir ailleurs. Il y aura peut-être un autre ennemi élite ailleurs. C'est un peu frustrant. C'est très frustrant. Je suis en train de me dire que le R, on peut l'enlever. Voilà. Attendez, c'est le mec que j'ai aidé qui vient de me piquer l'élite en fait. Ah! Trop gentil. Je vais rallumer mon ventilo. Il commence à refaire chaud. Je reviens. Alors, j'ai remarqué, je vais pas loin. Un peu mieux le coup quand il fait pas trop chaud. 119 images ralenties. Oh la vache. Twitch, tu caches les couilles, hein. Pas bien mis.
Ça doit être pas mal comme ça. Ouais. Donc, petite astuce, hein, pour ceux qui ont des ventilateurs au sol, bah, mettez-les sur une chaise. Mais il me souffle pas trop sur la tronche, mais il me souffle sur le corps, donc ça devrait suffire. Bon, bah... Oh merde! Scrignignute de scrignignute. Je vais regarder à nouveau là-haut, peut-être qu'il y en a un qui repop de l'autre côté, mais... De souvenirs, il y en a un dans le truc là, mais... Oh! Magnifique. Ah. Un peu frustrant. Il est bon. Ah. Et là, il n'y a rien dans ces tentes pour te dire à quel point... Ah, quelqu'un m'a vu. Ah oui, non mais là, c'est chiant. Pouf pouf pouf, comment je le... Est-ce que je peux l'avoir aussi avec le... Oui, ça passe! Le pouvoir de lancer les flammes. Voilà. Bon, bah visiblement, il n'y a plus d'élite à l'intérieur. On va retourner là-bas et on va essayer de... Ben on espère qu'il aura repop et... Quoi que c'est par là qu'il est. J'aurais collé une bastos. Ça me l'aurait compté, mais... C'est mon fail avec ce truc qui m'a coûté mon... En fait, si je veux monter, faut que je peux monter dessus. Il faut vraiment que je me cale bien, quoi. Me cale bien comme il faut. Ah oui, c'est vrai. Il porte. Et là, ça marche. C'est un peu tendu du slip, mais c'est bon. Bon bah, plus qu'à attendre. Voilà, voilà, voilà. Pas vraiment une arme de distance, je suis en train de me dire. On va peut-être repasser sur l'arc le temps de fraguer le monsieur. D'accord. J'aime. Juste par curiosité, vu que j'ai le temps. J'ai mis combien les bastos sur moi? 160, ça va partir très vite. Donc autant attendre d'avoir ce qu'il faut. Il y a 227, 304. Ouais, il n'y a pas trop de photos. Attends, le sniper fait plus 304. Non, c'est vraiment l'arbalète qui fait le plus de dégâts. Ok. Bon, bah, plus qu'à attendre que monsieur apparaisse et puis on aura fini ici. Voili, voili, voilou. Bon, en attendant, on va regarder un petit peu dans le matos parce que. On dit que j'ai encore. Oui, Briannon. Annihilation totale. Putain. Rien que le nom, c'est romantique. Je suis assez impatient de voir ce qu'il peut faire.
J'en jette un œil de temps en temps, hein, histoire de pas... C'est vraiment tout du... Attends. Voilà. Non, c'est pas là que je voulais voir, c'est dans la... Oui, dans le sac à dos. Ah, j'aurais de quoi faire deux chargeurs avec les deux batteuses. J'aurais peut-être tenté l'assaut frontal full force, quoi, mais... Quoique, je serais peut-être mieux en face, là-haut. Il y a une petite protection. C'est très bien. Hop là, plus qu'à attendre. Plus qu'à attendre. Je sais pas quel est le temps de repop des mobs dans ce jeu, donc ça va pas être long. Hop là. 120 images ralenties. Twitch vidéo, tu casses les couilles. Bon, faut vraiment que j'essaye OBS. J'ai fait toute une configuration via OnEd, mais j'ai fait une configuration gratuite. Donc il y a des OnEd qui apparaissent de temps en temps à droite à gauche, ce qui est assez dérangeant. Je suis assez mitigé sur le fait de cette configuration, même s'ils ont fait plein de choses qui ont l'air sympas. Et à côté de ça, j'avais commencé de faire un travail avec Twitch lui-même, parce qu'ils ont... Enfin non, pas Twitch lui-même, OBS... merde, comment ça s'appelle ? Enfin, ils ont un truc, OBS Lab, qui a aussi pas mal de choses. Mais c'est pareil, j'ai l'impression qu'OBS est quand même plus gourmand en ressources. J'ai un peu peur qu'en termes d'image ralentie et de perte d'image, on arrive sur des niveaux assez... sale. Homelander. Oh oui, c'est vrai qu'il y a des épisodes de The Boys que j'ai pas vu encore. Il paraît qu'il arrive une petite carabistouille désagréable à Homelander. Et qu'il y survit. Le bâtard. C'est quand vous le voulez que vous repop, hein. Ça a l'air tellement d'être du spam, ça. Pam 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 pam. Je remarque, j'aurais pu essayer de faire le tour et ouais, un peu casse-gueule quand même. Je ne sais plus quoi dire pour meubler la conversation. J'espère que vous avez passé une bonne journée. Il est tard, il est 23h. J'aurais même couché avant minuit. Enfin, à minuit ou à l'entour. Ça semble compromis. Bon, c'est marrant, leur feu arrière gauche bleu et leur feu arrière droit rouge. Parce que Rosetta serait une entreprise européenne, française, Cocorico. On a détruit la Terre. On a enfin réussi à faire quelque chose. Mon Dieu. Je vois un truc qui se balade en face là-bas. Ah bah j'ai soif, on va boire. Du
Round one. Pam 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 pam. Ranesh cool, Ranesh cool. Tiger, Tiger, Tiger Packet, Tiger Packet. Je joue à Street Fighter, je fais une partie de Street Fighter dans ma tête. Oui. C'est Gaël contre Saga et à la fin, c'est Sakura qui gagne. Coucou Hibou. Coucou Hibou. Coucou Hibou. C'est quand vous voulez que vous repopez les gars. Tu es un élite, il y a un élite sur la zone, il met 8 ans à repopper. J'avais pas l'intention de passer la soirée sur cette île, moi je voulais faire les... Ah, et puis de toute façon il faut que j'active les branches, oui. Ah, ça y est. Non mais, s'il te plaît, change d'arme. Oui, c'est là. Oh le malin, il a bougé. C'est bon. Le... Mon petit papillon lui a pété sa tronche. Il n'y a que lui qui a lâché des trucs. Hein. Punaise. Bon, bah écoutez. Ici, on n'a plus rien à y faire. Donc, on va venir ici pour s'occuper de ce point-là. Ah, il y en a 22 pêches. Ah, ça m'emmerde de faire tout ce trajet à pied, je vous avoue. Il n'y a pas une... Écoutez, on va revenir à la maison. On va rendre la quête. Par contre, les quêtes. Ce sera plus simple que de se refaire le trajet à la nage long. On gagne un temps flou. Putain, il est énorme! Bon, bah écoute. Pétunia bleue. Vos hauts pour le moment, ça va. Et puis bagan de maïs, hein, parce que j'aime bien. Voilà. Il faut que je rajoute un petit escalier pour descendre. De vouloir, hein. Pas de vouloir. Ah oui, bah oui, bah oui, forcément, oui. Si j'ai pas de bois, il voudra pas. Quel teubé. Donc, est-ce que j'ai de quoi me faire de nouvelles armures? Warm. Bastos. Oui, les bastos, ça devrait être bon. Je peux me faire l'arc. On va déjà voir si je peux me faire l'arc. Évidemment, je ne peux pas. Dégâts 291 de base. Mais la vitesse de tir est pas pareille. Donc il me faut deux lingots de bronze. Donc il va me demander de toute façon des tonnes de lingots de bronze. Allez. Ah.
Voilà, équipé en arme principale. Oh oui. Calibré, il va me demander encore des lingots de bronze. Eh oui, forcément. Ça va être long, ça. Oh, ça va être long. Pour les calibrateuses, du bronze. Elle fait 59, elle fait 59. Putain, ça va être énorme. On va se faire des bastos. Oui, c'est vrai que ça aurait été bien que je le ramasse plutôt, ça. Précision, fusil mitrailleur. Oui, ça doit être ça. Ouais, allez, soyons fous. Soyons fous, soyons fous. Qu'est-ce que je voulais faire d'autre? Oui, les armures. Le casque, c'est fait. Oh putain. Il va me demander du bronze pour tout! Non, ça c'est bon. Voilà. Pourquoi il dit que j'ai... D'accord, il me semblait que j'avais craft le truc pour remplacer, mais c'est pas grave. Ok. Dégâts de mêlée lourds. Je les craft en rang 1. C'est pas ce que je lui ai demandé. Non, il est bien, il est en rang 2 là, c'est bien ce qui me semblait. De toute façon, hop, voilà. Donc là, cela. On va plus trop y toucher pour le moment. Les boots, j'ai qu'une seule paire. Le pantalon. De toute façon, j'ai qu'un seul rang 2. Masque de raid. Chaussures rudimentaires. Pantalon. Voilà. Du coup, celui-là ne servira à rien. Ah, quoique, tenue d'éclaireur, on regardera quand même. Donc, il me manque la veste, et puis bah, les bottes, je les ai pas, et le masque. Ah oui, non, j'ai pas fait parce qu'il manquait du bronze. Hop là. Là, hop là, hop là. Voilà. Et donc il me manque que les pompes que j'ai pas, donc on est bon sur le matos. Il y a le masque qui me gêne en fait. C'est le seul auquel... c'est le seul que j'oublie à chaque fois, hein, c'est fou. Allez, c'est parti. Voilà. Maintenant, le calibrage, ça va être drôle. Le calibrage va être drôle. Voilà, ça, je ne peux pas faire plus. Ah, au moins... Non, ça, ça va aller. Ah mais lui les bottes je peux les faire en deux. Je suis con moi. Voilà. Équipé maintenant. Putain pourquoi je requitte à chaque fois? Ah calibré, les godasses. Voilà.
Voilà. On est super méga stuffé en niveau. Pas mal de niveaux là en fait. Hop. Faut que je me débarrasse de ce qui ne sert plus à rien. Tout ce qui est rang 1. Mais les batteuses que j'ai trouvées sont rang 1. Quoi. Sont rang 2, pardon. C'est juste à abuser, quoi. On va s'en débarrasser aussi. Celui-là est rang 2. Hop là. On a récupéré pas mal de choses. On va tout de suite se faire un... En fait, je sais pas si j'ai besoin de me faire un... fusil d'assaut, parce que, bah... Même ça, d'ailleurs, j'aurais dû le déséquiper. Hop. Allez, on va lui mettre un mode. Hop, voilà. Oh, putain. Oh, la précision, mais c'est abusé. Bon. Bon. Ok, alors, on va démonter l'arbalète parce qu'elle ne sert plus à rien non plus, hein. Et ici, en termes d'armure, on a tout ça à démonter. Pareil, le pantalon d'éclaireur, j'aurais moyen de récupérer ça plus tard. Voilà. Donc maintenant, on va pouvoir up le pistolet, enfin la teuteuse qui est équipée. L'arc, il est au max. La teuteuse équipée, eh ben, ça ira pas très loin. Mais c'est déjà joli. Et on n'ira pas plus loin pour le moment. Teuteuse de glace. Oh putain. Incroyable. 23h19. C'est vrai que les doses d'adrénaline, faudrait que je commence à penser à les faire, tiens. Ici, rien. 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 Les défis. Non, c'est bon. Et par contre, bah écoutez, on va... Je sais plus ce que je veux faire. Les munitions. Les munitions pour la batteuse, oui. Comment dire? Je vais pouvoir m'amuser? Hop là, on ferme la porte. Allez, let's go. Et là, il y a de la bouffe partout. Ah, j'ai pas vidé mes inventaires. Ah, le con. Ah, je suis en surpoids. Le mec, il est dépité, j'ai fermé la porte devant lui pour se visiter. là. C'est l'heure de croiser un troisième coffre. Peut-être d'autres trucs en fait. Le bac à compost, ce serait pas déconnant, mais il me faut du bois, il me faut. Ça, je peux pas. Et il me faut du bronze pour le deuxième établi. Nya. C'est con que j'ai pas fait gaffe à ça. On aurait eu un peu plus de trucs de qualité. Meubles. Objet du quotidien. Oui, je dois. Putain, vous me saoulez avec vos archives. En plus, celui-là est tellement plus. C'est vrai que j'ai acheté plein de mobilier, je les ai pas posés. D'ailleurs, je suis même pas sûr de pouvoir les poser en fait. Lingot de bronze, tissu en fibre de carbone. Lingot de bronze, tissu en fibre de carbone. Lingot de bronze et du bois. Une table. Ok. Objet d'ameublement. Le miroir qui permet de changer l'apparence du personnage. Décoration au sol. Un carton dont on se contrefout.
Et il faut surtout que je fasse des... Et il me faut du verre pour ça. Nyaah. Je suis assez impatient de voir ce que vaut cette déviation au combat. Donc, on va poser le samouraï. Et j'ai toujours pas été chercher de l'eau de mer. Et je suis parti du seul coin où je savais où il y en avait. Remarquez, je vais aller me... Bon, allez, de petit dodo, le temps que... Remarquez, je vais aller près de la plage. Là-bas, il y aura moyen de récupérer. Et j'ai toujours pas de castor. C'est fou, mais j'ai toujours pas de castor. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire d'intéressant maintenant? Le frigo, je crois que je voulais m'orienter vers le frigo, non? Lingot d'aluminium, c'est bien, mais alors pour le moment... Ça ne sert à rien, l'électro-raffinage, bah, ce sera bien, mais quand on a de l'électricité avant, ça ne sert à rien. Machine à souhait, c'est gentil, mais ça ne sert à... C'est pareil, il me faut de l'électricité, quoi. Et il faut énormément de choses. Et puis j'ai... Pourquoi il veut pas que je le prenne? Si. Eh oui. Machin, je fais, vas-y, balance. T'es sûr, tu veux? Ouais, non. Alors, les portes automatiques que j'ai pas su faire fonctionner, les alarmes que j'ai pas su faire fonctionner, l'ensemble que j'ai réussi à faire fonctionner sur ma gueule, interrupteur pylône, ce qui est très utile, interrupteur haute tension. Il faudra que je regarde à nouveau un tuto pour ces installations-là avant de prendre, parce que je vous avoue que ça m'a très très gonflé la manière dont ça ne marchait pas avec moi. Cuisine intégrée, réfrigérateur, j'ai vraiment pas besoin de tout ça pour le moment, puisque c'est de toute façon... pas pour tout de suite. Installation d'affichage. Pour moi, j'ai pas besoin de dépenser de points à droite ou à gauche, en fait. Ah ouais. À voir, à tester. Allons voir maintenant la tuture, parce que je pense qu'elle a suffisamment dormi. Oui, c'est bon. Les trucs que j'ai mis en bas à craft doivent être bons, donc on va s'occuper de ça tout de suite. Beaucoup de voitures qui s'arrêtent devant chez moi, c'est une impression. Non, ça passe loin. Je pensais que ça s'était arrêté devant, mais non, c'était juste... juste une illusion. Oh là là, mon mur était très moche d'un coup, là. Bon. Je ne sais plus combien il m'en faut. Alors, samouraï... C'est bon, il m'en fallait que deux. Ah putain. Alors désignez une cible d'attaque, attaquer avec l'annihilation totale. Les cibles situées dans la direction à laquelle vous faites face seront privilégiées. Si aucune cible ne se trouve dans la direction à laquelle vous faites face, les ennemis proches seront ciblés. Vous vous déplacez et attaquez automatiquement lorsque vous attaquez. Vous vous téléportez vers la cible. On va essayer, on va l'essayer. On va essayer. On va essayer. J'ai les bastos, j'ai un paquet de bastos, est-ce que je suis fou en flèche? On est tranquille. Est-ce que j'ai vidé mon inventaire? Ah oui. Oui, oui, faire une troisième craft.
On va la poser ici en attendant mieux. Je pense que je vais passer bientôt à l'étape troisième étage. Parce que ça commence à devenir nécessaire. Fermez la porte. Fermez la porte. Allez, on a des gens à qui on doit rendre des quêtes ici. Allons-y. Oh, si les récoltes, ça se faisait aussi vite en vrai. Alors, je crois que c'est à Claire que je suis censé... Oui, je suis censé rendre quelque chose à Claire. J'ai rapporté une recette. Ah, great, you made it back. Any luck? Je vous ai trouvé quelques recettes. Tenez. Salut Charlotte. Mole, pico de gallo, salsa, tamales. J'espère que tu t'amuses bien. Moi, je m'éclate. Même si des fois j'ai un peu tourné, j'ai un peu l'impression de tourner en rond dans ma propre tête, mais. Oh, can you believe it? Bah écoute, ça va très bien, je te remercie. Et toi, comment se déroule ton aventure? Là, pour le moment, je parle avec la ventriloque. Elle a les yeux complètement dilatés. La madame, elle mange des trucs bizarres. Moi, je dis ça, je dis rien. That's what our past was like, you know? That's what we lost. Making food not just to survive, but as a joy, an art even. I can keep this cookbook safe and try to reproduce it for future generations. C'est quand même fou de se dire que ce MMO est gratuit. Je sais pas ce que t'en penses, mais on a tellement un truc de qualité pour pas un rond de départ, c'est quand même fou. You're a good egg. Here. This is your reward. T'es un bon œuf. And why don't you also take this to brighten up your home out in the wilderness? Hey there. So, you made it back safe from that former Mayfly base, huh? Il y a mon téléphone qui vient de vibrer, mais je le trouve. Ah, il est là. Ça doit être la maman qui me dit qu'elle va se coucher. Oui, c'est la maman qui me dit qu'elle va se coucher. Pas bouger le téléphone. Voilà. Exactly why I hired you instead of going there myself. So, find anything my client might be interested in. What's this? A letter home? Huh! My client told me she always felt a letter like this existed, but... Et il semblerait qu'il y ait des problèmes avec The First Descendant où il y a des trucs en fin de game qui sont très très mal conçus. J'ai que des échos, hein, mais du coup, moi, ça me tente moins de First Descendant. Il faut dire, je suis tellement bien dans ma petite maison. Je suis un peu autiste sur les bords. There's an old story about a woman who lived on an island. She would light a lamp every night for her brother, who she knew would be sailing home. And every night, she waited by the lamp, though her brother never returned. Still, the light shone in the window, dispelling the darkness for her and guiding others back home. Ouais, les retours que j'en ai sont pas super bons. J'ai pas un souvenir de détails exactement, mais il y a vraiment des trucs qui me plaisent pas dans le jeu. Déjà, l'esthétique est belle dans The First Descendant, mais moi, il y a un truc, déjà, j'adhère pas à cette esthétique-là. Il y a un truc dans le travail, dans le tracé, dans le... Alors qu'ici, bon, il y a des trucs qui sont un petit peu gênants ici, mais c'est pas... Le reste est quand même magnifique dans ce jeu, alors que dans The First Descendant, il y a des trucs qui sont très beaux, mais qui... J'ai l'impression que mon cerveau, il fait... C'est nul, voilà. Enfin, c'est pas assez nul, ça me plaît pas. Point is, some sacrifices are worth remembering, and this is one of those. Thank you.
Bah, tu rigoles, mais je pense que toi aussi, t'as déjà eu ce truc où t'as plein de gens autour de toi qui font « Ouah, t'as vu ce truc, c'est trop génial, c'est trop beau », puis toi, t'arrives dans le monde, tu fais « Nyeh, j'aime pas ». Ton cerveau, il fait « Non ». Et bah, moi, c'est ça, The First Descent. « I've some gifts for you. Weapons and armor mods. They're nothing fancy, but they should get the job done for now. » Bon, du coup, j'aurais très mal choisi mon titre de live pour ce soir, puisque je me suis pas du tout attaqué au deuxième monolithe. J'avais complètement zappé qu'il fallait faire les encres de faille avant, donc je changerai le titre plus tard. Ah. Mais mon personnage, c'est un Italien, quoi. Collectibles, I also dabble in some black market trading to supplement my income. Don't you dare tell anyone that I'm charitable, because I'm not. But I think you could use more than my usual clients. Ah, ça fait déjà 2h16 de vidéo, quoi. Wow. In case you don't know how they work, I have some manuals that might help. Attends, tu veux dire que tu as vraiment des choses dans ton magasin maintenant? T'as plus juste 3 pauvres cadres à la... J'ai retrouvé Ross Geller. La seule chose que je suis un peu déçu de Once Human, c'est que comparé à la première bêta fermée, le jeu est beaucoup trop facile. Bah, tu le connais. C'est surtout que tu le connais. La première fois que tu as joué, tu connaissais pas le jeu. Et décidément, j'ai fait vraiment toutes les... Bon, vu qu'elle parle pas, je vais le faire moi-même. Waouh, journal de Capitaine Dennis Cooper, où l'avez-vous trouvé? J'ai complété ces notes d'exploration inachevées lorsque j'étais sur les rives de sable de l'île de Wild Dog. C'est vous qui avez fait ça? C'est... Si la Capitaine Cooper était encore parmi nous, elle serait ravie d'apprendre que vous avez achevé sa mission. Que lui est-il arrivé? Elle a disparu alors qu'elle explorait les montagnes dans le nord. Ça fait longtemps maintenant, mais même dans la mort, elle a durablement marqué le syndicat. Vous vouliez vendre ça, pas vrai? Seulement pour un bon prix. Ça va sans dire, mais je suis un peu à court de fond en ce moment, et si je vous laissais choisir les meilleurs objets de ma collection personnelle? Je n'ai rencontré que quelques fois de Denise Cooper, mais je ne suis pas prête de l'oublier. Elle a fait beaucoup pour tout le monde après le déferlement. Et qui est cette Denise Cooper? Disons que tout l'Est de Nalcott connaît son nom. Après le déferlement, les gens étaient isolés, disséminés un peu partout. C'est Denise Cooper qui, partant de Blackfell, a trouvé d'autres colonies comme le Bazar de Meyer et elle a créé des liens entre elles. Sans elle, le syndicat n'aurait jamais existé. C'était une légende vivante avant sa disparition. Les histoires dans lesquelles elle affrontait des meutes de loups sauvages ou échappait à des hordes de déviants remplaçaient aisément les séries télévisées de l'Ancien Monde. Et vous l'avez rencontrée plusieurs fois, c'est ça? Ouais, le monde est petit de nos jours, surtout quand on fait de la route. Comment était-elle en réalité? On avait à peu près le même âge, mais elle avait l'air d'avoir vécu beaucoup plus de choses que moi. J'ai toujours été quelqu'un de prudent, avec un don pour les affaires, alors qu'elle, c'était une aventurière idéaliste. C'est quelque chose que j'admirais, mais les idéalistes finissent toujours en guerre contre le monde. Cette fois, c'est le monde qui a gagné. Bon. Bon. Ok. Ok, d'accord. Alors, je repense à un truc. Il y a en effet un truc qui m'emmerde par rapport aux versions bêta, c'est que déjà j'ai l'impression que le traitement est censuré, j'ai l'impression qu'ils ont enlevé la madame dessus, celle qui avait de jolis atouts, bien visibles, et surtout ils ont déplacé Timan, c'est-à-dire qu'il est plus là Timan. Timan maintenant il est à côté des silos et je trouve ça un peu con quoi, surtout que sa cabine est toujours là. Ça va, Nick? Ta femme est vraiment une belle plante, tu sais. Petrificus totalus. Tu l'as dans la luce. Oui, je sais, je suis habitué, mais tout de même, la sirène du tuto, on le tuait pas avec quelques flèches. Ah, je l'ai buté en 3 flèches. La première bêta, je l'ai buté en 3 flèches. 3 headshots, parce que c'était facile. Et le papillon. T'as pas buté en... T'en as chié sur la première... T'en as chié sur Sirenette sur le premier PTB. Ah oui, le premier, toi, t'as fait le tout premier, oui. Moi, j'ai fait le... Je crois que j'ai fait l'avant-dernier et le dernier. Pouille, 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 pouille.
Ah oui, non, ça c'est ma maison. Est-ce que j'avais d'autres missions à rendre ici? Parce que j'ai pas envie d'aller là-bas à cette heure-ci, ça va me casser une noisette. Surtout qu'il faut que je déconnecte dans 5 minutes. Je vais plutôt te montrer ma maison, tiens, tant qu'il y a à faire. Parce que de toute façon, là, je vais m'arrêter bientôt. Je vais pêcher, parce que c'est un truc que je fais en fin de vidéo. En temps normal. Bon, alors par contre, Mare Market, c'est vraiment le coin bouffe, quoi. Tant que t'as Mare Market, t'as pas... Si tu te places à l'endroit où je me suis placé, la bouffe, ça va. Tout est accessible, tu peux piller tout ce qu'il y a. Je trouve ça complètement absurde. Regarde-moi ces belles betteraves. À moi les betteraves, à moi les betteraves. Je pique les... Oh merde. Je vole les betteraves. Et tu crois que c'est fini quand c'est fini? Eh ben c'est fini. Et on arrive chez moi. Qu'est-ce que tu en penses? Je suis assez fier du truc. Je suis très dégoûté de ne plus avoir les textures de base. Parce que je trouve que ce bois est très moche. Et voilà, c'est ma petite maison. Par contre, je vais vraiment devoir passer à la construction d'un étage supplémentaire. Parce que j'ai plus de place là. Ça devient fou. J'ai récupéré le samouraï. Yeah! Ah, il est génial! Il est génial! Bon, j'attends de voir ce qu'il vaut en combat, mais il est génial. Et puis, bah, j'ai récupéré ce petit monsieur là aussi. La petite histoire qu'ils ont mis pour le récupérer, lui, j'ai trouvé ça génial. Et j'ai une boule disco que je sais pas à quoi elle sert. Je regarderai sur YouTube plus tard, c'est pas grave. Est-ce qu'ils ont tout récupéré? Est-ce qu'ils sont tout pleins? Bon, on va les laisser tranquilles. Est-ce que j'ai des choses à déposer? Ah oui, si! Tu vois un truc de fou? Je viens de sortir de l'île de Wild Dog. J'ai chopé 2 loot là-bas. 2 loot, hein. Avec les plans qui vont avec. Mais dégage, le tuto. Mais ta gueule! Mais pourquoi il me met le tuto, ce con, maintenant? Voilà. 2 loot. Le KVD brise-glace et un KVD brise-glace. Et le plan du KVD brise-glace. Et le plan d'un arc aussi. Voilà. Le jeu a décidé de me gâter sur l'île de Wild Dogs. Complètement absurde. Non, juste l'équiper. Juste l'équiper. Merci. Hop. Et du coup, on est dans une totale tenue corps à corps. Donc, on va augmenter les dégâts du corps à corps, et puis voilà. Ce sera compliqué sur certains boss, mais ça peut être sympa. Voilà. Eh ben écoute, je vais passer en mode pêcheur. Est-ce que je peux déjà faire les triangles? Je sais plus si on peut faire les triangles dès le début. Je peux créer des trucs. Ah oui, mais c'est pas pour tout de suite, ça. Bon, les lampes, ça va, j'ai ce qu'il faut. Électricité, oui, bah ça, je sais pas ce qu'il faut non plus. Structure, est-ce que je peux faire... Oui, je peux faire les triangles, magnifique. Ah mais non, j'ai pas assez de bois. Ah putain. Bon, c'est pas grave. De toute façon, je suis là pour pêcher. Putain, je suis vraiment une quiche. Ah, j'ai du mal des fois avec les commandes quand je fatigue et la chaleur me tue, c'est ouf. Waouh. Allez. Bien. Je remercie encore Charlotte d'être passée.
Si vous avez aimé, likez, commentez, cliquez sur la petite cloche pour suivre le fil de mes actualités. Partagez, c'est important. Abonnez-vous à la chaîne Twitch, abonnez-vous à la chaîne YouTube. C'était Shock Fury sur Once Human. On va pêcher 5 minutes. Et puis ensuite, on se retrouve demain. Voilà. Oh. Tu peux me traiter de pêcheur maintenant. Vraiment que je mette mon garage de l'autre côté, ça fait ridicule comme ça. Ah, il part de l'autre côté. Je suis content d'être retour sur Hoche. Les vues sont complètement de fou. Ouais, c'est clair. Il y a vraiment des... Bah, regarde. Là, c'est... T'es quand même devant une ville qui est censée être un hub. Bon, il y a de la brume à cette heure-ci, mais... Putain, c'est tellement beau, quoi. Et lui, il est tellement énervé. Ah, tu peux te déplacer avec la canne à pêche maintenant. T'as plus les pieds fixés dans le sol. Bonne nuit, Phoenix. Fais de beaux rêves, mon grand. Et bientôt, quand j'aurai assez de place, je referai mon étage aquarium pour mettre des carpe-coï partout. C'est vrai, ce jeu est beau. C'est... Et j'ai regardé les prix sur la boutique. Il y a plein de choses. Bon, les tarifs sont pas non plus... Ils ont pas craqué sur les tarifs, quoi. C'est pas super, super cher. J'ai vu l'espèce de... Le pseudo Season Pass, là, qui est juste à 5€. Alors, je me suis peut-être gouré, mais il me semble que c'est juste 5€. Je trouve que même pour ça, ils sont... Ils sont bons. Ils sont très bons. Je pense qu'ils ont décidé de toucher un maximum de gens. Je vais faire comme si j'avais rien vu. Je vais faire comme si j'avais rien vu. Ah oui, Charlotte, si tu connais pas l'astuce quand tu pêches, plus tu mets ton truc de ton point de départ de pêche haut, plus le poisson a moins de chances de s'échapper. C'est-à-dire que tu le chopes 3 fois plus vite. Connexion au chat, bien sûr. Bienvenue sur le chat. D'accord, j'ai perdu la connexion au chat. C'est super. Merci le jeu. Merci la life. Donc, je sais pas si t'as dit quelque chose après les deux têtes de... Oui, Mr. Good Enough. Ça te fait plaisir d'avoir eu quelques minutes pour passer. J'ai pas toujours le temps de passer voir les nouveaux streamers. Te gêne pas à passer chez moi si tu veux rire un peu d'une vieille branche. Bah écoute, moi je veux bien passer chez toi de temps en temps. Par contre, je vais être quasiment sur le jeu... Dès que je serai disponible, donc je serai quasiment sur Twitch en permanence, quand je serai dispo. Mais effectivement, j'essaierai de passer te voir de temps en temps, surtout que bah, je me suis abonné. Non, là, j'ai cliqué trop tôt, merde. Mais bon, mon offre de faire des donjons ou des trucs ensemble, ça tient toujours aussi. Hein. Donc si t'as un moment, si tu te dis, bah, j'aimerais bien faire ce donjon ou machin, Tréant ou un autre truc, tu peux passer sur le stream et puis dire, choc. J'ai besoin d'un coup de main. Je serais ravi d'aider si je suis dispo. J'ai jeté un œil sur ta chaîne et je trouve très mignon ton VTube, enfin ton avatar. Et bon, j'ai vraiment hésité pendant un moment avant de montrer ma tronche. Et j'ai préféré montrer ma tronche que d'utiliser un programme tiers et... Bon... Voilà quoi, j'aime pas ma tête, mais apparemment c'est pas dérangeant pour tout le monde. Et là, les poissons font la gueule. Scrunny, scrunny, scrunny. Youp. Tant pis,
Je suis pas vraiment de nouveau streamer, hein. Ça fait un moment quand même que je fais des vidéos, mais c'est pas grave. C'est juste que j'arrive pas à attirer mon public. Ça, c'est un peu triste, c'est frustrant. Faut dire que je fais pas non plus énormément de pubs. Ouais. Mais bon, c'est pas... Tout est relatif, disait Einstein. Allez, le dernier poisson, et ensuite, je vais au plumard. Et tu sais où tu veux aller, toi? Il a voulu aller dans ma poche. Ok. Bon, bah, pas de déviation électrique, il. J'ai pas regardé dans le sac à dos ce qu'il faisait, le... Ah, il rend pas bien dans le sac à dos, le samouraï. Bon, c'est pas grave. Allez! Ciao les potos, merci à tous ceux qui sont passés, bah d'être passés. Je suis très triste parce que maintenant j'ai plein de gens qui parlent et j'ai plus de moyens de donner vos noms aux déviations, ça m'embête un peu. Je l'ai une petite déviation samouraï qui se serait appelée Charlotte, ça aurait été rigolo. Bref. Ciao ciao les potos, regardez les autres vidéos et à tout bientôt. Des bisous tout le monde.